Le 18 mars, qui est la première journée révolutionnaire de ce qui va s'appeler la Commune, un peu plus tard, quand elle sera proclamée, un jour plus tard, il faut avoir à l'esprit que Thiers et les gens du pouvoir, qui se sont donc installés à Versailles, ont une obsession, c'est de reprendre à Paris ses armes et en particulier ses canons. Ces canons qui ont été achetés par souscription par la population parisienne elle-même. L'autodéfense populaire de la ville passe notamment par cet achat collectif de canons. Par exemple, Victor Hugo a acheté pour Paris un de ces canons. Les canons de la garde nationale, c'est-à-dire ce peuple armé qui a un esprit patriotique extrêmement important dans la ville. Ça va être un des facteurs du déclenchement de la Commune. Et un des cris du 18 mars, moins que celui de la République, mais quand même fréquent, c'est « Abat les capitulaires », ceux qui ont abandonné le pays. On refuse la capitulation, on refuse l'humiliation, on refuse tout simplement l'oppression que représente l'occupation allemande. Le grand cri toute la journée du 18 mars, c'est « Vive la République !» qui a un conflit fondamental avec une méfiance des Parisiens par rapport à l'Assemblée de Versailles du point de vue de cette espérance de la République. Donc il va y avoir une très forte dimension républicaine et patriotique, mais sur un tissu de mécontentement social par rapport à la politique du gouvernement issu de l'Assemblée de Versailles. Voilà. Et tout ça va se cristalliser le 18 mars. Le 18 mars, le gouvernement de Thiers veut récupérer les canons parce qu'il ne veut plus cette menace d'un peuple armé présent à Paris veut établir son ordre définitivement sur Paris. Là, on a déjà une forme populaire qui, de surcroît, est absolument décisive puisqu'elle détient des armes. Et c'est ce qui va aussi faire peur au pouvoir central. Et ces canons, ils sont disposés sur les hauteurs de la ville, hein, notamment à Montmartre, mais aussi à Clichy, mais aussi à Belleville, à Ménilmontant, dans des quartiers qui sont très populaires, au nord de Paris. On peut penser aussi au 19e arrondissement, du côté de l'avenue de Flandre. Et le 18 mars va se concentrer autour de Montmartre. Donc Paris très populaire. Et d'ailleurs, sa forme de petite commune autonome déjà, le quartier de Montmartre, c'est une commune dont le maire est Georges Clémenceau. Donc, obsession de Thiers, reprendre ses canons et d'en profiter en faisant une opération militaire, non seulement pour prendre les canons, s'emparer, voler les canons au peuple de Paris, mais aussi de faire une sorte de rafle pour arrêter les militants révolutionnaires, notamment de l'International. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il fait envoyer une grande partie de son armée, hein, qu'on va appeler donc l'armée versaillaise, puisque son siège est à Versailles. Et ben, j'ai pu lire hein, vraiment le compte-rendu très détaillé des rapports militaires hein, sur cette opération. Il consiste à envoyer deux bataillons qui vont escalader la butte Montmartre, notamment par la rue du Mont-Cenis pour arriver au sommet de la butte. Et c'est ce qui se passe, et on est en pleine nuit. Il y a quelques gardes nationaux qui veillent, hein, et notamment un certain Germain Turpin qui monte la garde. C'est un des membres de la garde nationale, il est de garde cette nuit-là, la nuit du 17 au 18 mars. Et je parle de cet homme, Germain Turpin, parce que bon, évidemment on peut considérer que c'est un anonyme de l'histoire. Il faut lui restituer son nom. En général, on ne le connaît pas, bien sûr, on ne le connaît pas, mais on devrait parce que c'est la première victime de l'armée versaillaise. Puisque quand les deux colonnes arrive avec un certain succès, ils sont arrivés au pas cadencé en pleine nuit, arrive au sommet de la butte, lui il entend des bruits, il dit voilà, qui va là, chose comme ça, personne ne lui répond. Blessure terrible à l'abdomen et il va mettre plusieurs jours à agoniser pour mourir finalement au bout de 9 jours. Et d'ailleurs, les généraux de l'armée versaillaise empêcheront qu'on lui apporte des soins et surtout qu'on le conduise à l'hôpital.
parce que on se souvient qu'en 1848, en février, il y avait eu la promenade qu'on avait appelée la promenade des blessés ou la promenade des cadavres lors de la répression de la Révolution. Et donc, il y a vraiment une panique des officiers à l'idée qu'on puisse promener un blessé dans le Paris populaire. Donc, c'est la première victime de ce tout début du 18 mars et finalement de la Révolution. Donc, opération réussie finalement. Les soldats de Versailles stationnent au sommet de la butte. Le problème, c'est que donc leur mission, c'est d'enlever les canons. Mais pour ça, ils ne peuvent pas le faire à main nue. Il faut tracter ces canons. Donc, pour ça, il faut des chevaux, il faut toute une intendance, une logistique. Et cette intendance, comme parfois, ne suit pas. Parce que les canons sont stationnés bien plus bas, notamment du côté de la Concorde, et ils n'arrivent pas. Et donc les soldats sont là au sommet de la butte, et ils attendent, et rien ne se passe. Ou plus précisément, rien ne se passe pour eux sur le plan de la logistique militaire, mais ce qui se passe, c'est que, voilà, on a sonné le tocsin à Montmartre. Et Montmartre était, à cette époque, quartier très très populaire. Et c'est notamment les femmes qui ont joué un rôle comme ça dans cette mise en alerte du quartier. Au petit matin, les premières personnes présentes, ce sont les blanchisseuses de Montmartre qui vont travailler tôt, qui s'aperçoivent que les soldats sont en train d'atteler les canons et elles vont aller avertir, et c'est là le côté organisationnel qui s'était fait pendant ce siège, hein, elles vont avertir les comités de vigilance, le comité central de la garde nationale qui s'est fédéré dans un comité central, le comité central de la garde nationale, les bataillons de la garde nationale, le peuple, vont monter sur la butte pour essayer d'empêcher les soldats d'atteler les canons. Et des femmes, des enfants, des hommes là qui sortent des maisons, des immeubles, etc. Et qui se retrouvent face à ces soldats. Et qui leur disent, mais vous n'allez pas tirer, vous n'allez pas... Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes vos frères. Là, face à cette espèce d'encerclement populaire par tous ces hommes, ces femmes, ces enfants du quartier qui entourent les soldats, l'un des généraux qui dirige l'opération, qui s'appelle le général Lecomte, appelle à tirer sur la foule. Et ça va être le cas d'ailleurs dans d'autres endroits, un peu plus loin, à Pigalle notamment, on va se retrouver dans la même configuration. Et là, il y a une espèce de miracle. Alors, il n'y a jamais vraiment de miracle au sens sacré du terme en histoire. Le miracle, c'est que les soldats refusent de tirer. Et mettent l'arme au pied ou crossent en l'air, ils refusent de tirer. L'épisode le plus célèbre, bien sûr, c'est toujours ces moments de basculement en histoire. Hein. C'est imprévu, personne ne le prévoit. Personne ne le savait. Personne n'a préparé cette révolution. C'est pas octobre 1917. En quelques secondes, l'histoire bascule, quoi. C'est comme ça. Les soldats refusent de tirer. Voilà. Ils refusent de tirer. La foule les entoure, leur donne à manger, voilà. Ce sont pour beaucoup des soldats qui habitent du côté de la région parisienne et qui se sentent proches, au fond, de ces gens du peuple de Paris. Certains viennent de plus loin. Certains viennent, par exemple, des casernes du Havre. Et on sait qu'au Havre, il y avait déjà eu des mouvements de révolte, des mouvements d'insubordination hein, de la part des soldats, qui sont des soldats du peuple, en fait. Hein. Et ça va être retenu, hein, ça va être une leçon retenue par les officiers pour la suite des événements. De surcroît, ils n'ont rien mangé. Donc voilà, du point de vue de la logistique, c'est vraiment un désastre, parce que ces soldats ont faim, étant donné qu'ils ont mené cette opération, mais ensuite rien ne se passe, donc ils n'ont rien mangé. Ils sont partis quasiment sac vide. Et les femmes, notamment, mais pas seulement, mais les femmes de Paris leur offrent de quoi manger, de quoi s'alimenter, se restaurer, alors qu'ils ont soif aussi. Et donc ils entrent dans les maisons, dans les tavernes, dans les cabarets, dans les troquets, etc. On leur offre à boire et à manger. Et donc, voilà, il y a cette extraordinaire fraternisation. C'est un moment incroyable parce que c'est un moment d'effervescence populaire, de joie. On chante, on se tombe dans les bras. Mais en même temps, il y a une autre explication qui est qu'on a déjà connu cette scène-là. On a déjà connu cette scène en février 1848. Et certains l'avaient déjà vécu lors de la révolution qui a renversé Louis-Philippe.
De la même manière, des Parisiennes et des Parisiens avaient interpellé les soldats de l'armée du roi pour dire « Mais vous n'allez pas tirer sur vos mères, vos frères, vous n'allez pas tirer sur le peuple, vous êtes le peuple. » C'est ce qui s'est reproduit. Et dans la journée, la révolution va s'étendre dans tout Paris au cri, comme je le disais, de « Vive la République, à bas les capitulards !» Comme le pouvoir a fui devant les événements, avec des barricades qui s'érigent un peu partout, notamment dans les quartiers populaires. Thiers est à Versailles. Jules Ferry, le maire de Paris, reste quand même à l'hôtel de ville de manière assez courageuse jusqu'au bout de la première nuit. Finalement, l'hôtel de ville est envahi. Des lieux de pouvoir sont envahis, notamment par la garde nationale et par des militants, en fait. Par exemple, un certain Raoul Duval, qui est un ouvrier fondeur, qui est un membre de l'Internationale, et qui s'installe à la préfecture de police, et qui crie à sa femme, d'ailleurs, « Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien. Là, je suis, d'ailleurs, dans le bureau du préfet de police, et nous avons pris les lieux. » C'est comme ça que ça se passe. À Lyon, on apprend la journée du 18 mars. Une troisième fois, il y a un sursaut à Lyon. C'est l'image du feu qui couve et qui éclate dès qu'il y a la moindre brise qui souffle dessus. Ici, c'est plus qu'une brise, c'est un vent assez fort. Et c'est la nouvelle de l'insurrection parisienne que les Lyonnais attendaient. Alors, ils ont tendance à crier « Vive la Commune ». On apprend que Paris est en train de se révolter. Et on apprend aussi que le gouvernement de la Défense nationale s'est replié sur Versailles, que la ville est entre les mains des révolutionnaires. Alors ça, c'est le choc. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a comme force capable de déclencher un mouvement? Eh bien, elle se concentre pour l'essentiel dans quelque chose qui existe à Lyon aussi, et qui existait à Paris, et qui a joué un rôle décisif au moment de l'affaire. Je vais parler du comité central de la garde nationale. C'est une formation qui est une formation de type militaire, mais de type militaire social, politique et révolutionnaire. Les bataillons de la garde nationale qui se sont formés sont des gens qui se sont portés volontaires et qui justement veulent transformer la machine militaire. Les bataillons ont désigné à Paris un comité central de la garde nationale. Et là, il y a à Lyon le comité central démocratique de la garde nationale. Ce comité central démocratique de la garde nationale siège au Palais Saint-Pierre. C'est juste à côté de l'hôtel de ville, bien entendu. Et alors, immédiatement, des discussions, des débats extrêmement intenses se déroulent. Et le 22 mars 1871, le comité central démocratique de la garde nationale lyonnais décide de sommer le conseil municipal, qui est en réunion à l'hôtel de ville, à côté, de se rallier à la commune de Paris. Le maire et non refuse, et à partir de ce moment-là, alors, il y a une sorte de double pouvoir, ou plus exactement, une commission provisoire est désignée, qui remplace finalement le pouvoir municipal momentanément paralysé. Mais c'est quelque chose de totalement improvisé, hein. Ça s'est fait dans l'entraînement au choc des nouvelles. Malheureusement, les mesures nécessaires qui auraient dû être prises ne sont pas prises. À Paris, elles sont prises. Elles sont prises pourquoi ? Pour moi, c'est une certitude, après un travail de réflexion historique et tout ça. Je suis assez favorable aux historiens qui ont mis en valeur le rôle des blanquistes. Les blanquistes, c'était des gens qui, à l'époque, avaient du mouvement révolutionnaire une conception insurrectionnelle, c'est sûr. Mais qui, en matière insurrectionnelle, étaient des gens sérieux. À Paris, ils étaient nombreux dans le comité central de la garde nationale et à la tête des bataillons. Et eux, dès que, à Montmartre, l'affaire des canons éclate, l'échec de la tentative de Thiers de s'emparer des canons qui étaient dans le quartier ouvrier de Belleville, à partir de cela, ils font descendre les bataillons sur le centre de la ville et prennent les positions clés, à tel point que Thiers et ses ministres sont obligés de fiche le camp et vont se réfugier à Versailles. On dit que Thiers aussi avait l'idée, et ça le bonhomme en était bien capable, de faire comme ça s'était fait en 1848, dégager Paris et puis essayer de reprendre Paris. Et il aurait appliqué ce plan qu'il avait déjà mûri en 1848. À Lyon, il n'y a pas suffisamment de gens qui soient rompus
à ces décisions insurrectionnalistes qui procèdent quand même d'une certaine connaissance des aspects militaires de l'affaire. D'autre part, l'internationale a été considérablement affaiblie. Bien qu'elle essaye de renaître, elle a été marginalisée. Et alors, ça va durer seulement le 22, le 23. Il va y avoir un pouvoir communaliste, mais un pouvoir communaliste paralysé. Le 24, ce sera un peu la débâcle. Le préfet Valentin, d'ailleurs, fait coller les affiches dès avant, mettant en cause tout de suite tout pouvoir illégal. Ce qui va provoquer et accélérer la décomposition du mouvement, c'est qu'il marche sur Lyon une force qui est une force aguerrie. C'est la force qui a défendu Belfort. Belfort a capitulé, bien entendu, puisque la capitulation a été générale. Mais Belfort reste entre les mains des Français et les héros de Belfort sont amenés en direction de Lyon. Ils vont rentrer dans Lyon, ils vont défiler. Alors, vous voyez, on utilise la couronne des héros pour déconsidérer la garde nationale à tendance insurrectionnelle. Et le 25 mars, arriveront à Lyon les héros de Belfort. Alors, il y aura un grand défilé à travers la ville. Et la situation semble être désormais réglée. L'idée de la commune est fédéraliste au sens du 19e siècle. Donc, ils ne veulent pas imposer leur révolution au reste de la France. Ça fait partie de leur idée. Fondamentalement, notre révolution, nous ne l'imposerons pas au reste de la France. Nous pouvons être un modèle, un exemple, une avant-garde. Paris rayonne et ce rayonnement devra être suffisant pour que la France nous rejoigne. Grossière erreur, mais c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que Paris, c'est la ville qui fait la révolution et la France suivra. C'est pas seulement une erreur au niveau de cette illusion, c'est aussi une idée, et les communards agissent beaucoup sur des idées, que c'en est fini d'une France excessivement centralisée. Il y a tout ce côté, proudhonien, que nous n'avons pas encore évoqué, qui joue dans la façon dont les communards et les communardes agissent et pensent. On peut voir les causes de la défaite communarde. Certains le reprocheront toujours, mais c'est trop facile, c'est de ne pas avoir, dès le lendemain du 18 mars, attaqué Versailles. Puisque là, effectivement, dans l'élan de la Révolution, les gardes nationaux sont mobilisés, Thiers avait peu de troupes disponibles, et puis ces troupes s'étaient plus ou moins débandées le 18 mars, avaient fui Paris, ou même pour quelques-unes, mais très peu, très peu. Avait rallié la commune, donc certains ont reproché à la commune de ne pas avoir marché sur Versailles. C'est un débat qui ne va pas très loin. Dans tous les cas, ils ne l'ont pas fait. Quelques-uns ont dit oui, mais ils ne l'ont pas fait. Donc évidemment, Thiers a pu commencer à restructurer son armée entre le 18 mars et le 2 avril. Récupérer quelques prisonniers de Bismarck, resserrer la discipline, tout ça a été étudié dans un livre de Robert Holmes. Tout est à faire, d'autant plus que, en s'enfuyant, les gens du pouvoir ont ordonné que tous les fonctionnaires, et notamment les hauts fonctionnaires, mais pas seulement les fonctionnaires, partent, quittent la capitale avec l'argent, avec tout ce qui peut faire fonctionner des services publics. Donc l'une des premières mesures à prendre, c'est de remettre en marche les services publics, mais en leur donnant encore davantage de consistance. Il faut assurer leur ravitaillement. Il faut lutter immédiatement contre la pauvreté. Donc, là, il va y avoir aussi des mesures qui seront prises pour cela. Il faut organiser le travail d'une manière démocratique. Et puis, il faut organiser des élections. Ces gens, notamment du comité central de la garde nationale, les fédérés, se disent... Nous, là, on a pris le pouvoir à l'hôtel de ville, mais tout de suite, on veut que la démocratie populaire s'exerce. Donc, on organise des élections. Dans un premier temps, ils veulent organiser des élections pour le mercredi suivant. Finalement, on se donne une semaine pour organiser ces élections. Et le dimanche suivant, le 26 mars, il y a des élections qui vont permettre à une assemblée d'être élue. Cette assemblée, on va l'appeler la commune.
Prosper Olivier Lissagaré est un journaliste et militant républicain sous l'Empire. Présent à Paris pendant toute la durée de la Commune, il affirme n'en avoir été ni membre, ni officier, ni fonctionnaire, ni employé. Il la soutient pourtant corps et âme jusqu'aux barricades, et s'en est fait l'historien dans sa célèbre Histoire de la Commune de Paris, publiée en 1876. Écoutons le tableau qu'il fait de la proclamation de la Commune le 28 mars. Le 28 mars, 200 000 misérables vinrent à l'hôtel de ville installer leurs élus. Les bataillons, tambours battants, le drapeau surmonté du bonnet phrygien, la frange rouge au fusil, grossis de lignards, artilleurs et marins fidèles à Paris, descendirent par toutes les rues sur la place de Grève, comme les affluents d'un fleuve gigantesque. Au milieu de l'hôtel de ville, contre la porte centrale, une grande estrade était dressée. Le buste de la République, l'écharpe rouge en sautoir, rayonnant de rouge faisceau, plane et protège. D'immenses banderoles au fronton, au beffroi claqué pour envoyer le salut à la France. 100 bataillons rangent devant l'hôtel de ville leurs baïonnettes que le soleil guette. Ceux qui n'ont pu pénétrer s'allongent sur les quais, rue de Rivoli, boulevard de Sébastopol. Les drapeaux groupés devant l'estrade, la plupart rouges, quelques-uns tricolores, tous cravatés de rouge, symbolisent tous l'avènement du peuple. Pendant que les bataillons se rangent, les chants éclatent, les musiques sonnent la Marseillaise et le chant du départ. Les clairons lancent la charge, le canon de la Commune de 92 tonnes sur le quai. Le bruit s'arrête. On écoute. Les membres du comité central et de la Commune, l'écharpe rouge en sautoir, viennent d'apparaître sur l'estrade. Ranvier. Le comité central remet ses pouvoirs à la Commune. Citoyens, j'ai le cœur trop plein de joie pour prononcer un discours. Permettez-moi seulement de glorifier le peuple de Paris pour le grand exemple qu'il vient de donner au monde. Les tambours battent au chant, les musiques, 200 000 voix reprennent la Marseillaise, ne veulent pas d'autres discours. À peine si Ranvier, dans une éclaircie, peut jeter. Au nom du peuple, la Commune est proclamée. Vive la Commune! Un seul cri répond, fait de toute la vie de 100 000 poitrines. L'espoir! Les képis dansent au bout des baïonnettes, les drapeaux fouettent l'air. Aux fenêtres, sur les toits, des milliers de mains agitent des mouchoirs. Les coups précipités des canons, les musiques, les clairons, les tambours se font dans une formidable communion. Les cœurs sautent, les yeux brillent de larmes. Jamais depuis la fédération de 1790, les entrailles de Paris ne furent aussi fortement secouées. Les pires gens de lettres qui écrivirent la scène eurent un instant de foi. Un membre du comité central, Boursier, le frère du petit tué rue Ticton en 52, l'enfant avait reçu 2 balles dans la tête, proclame les élus. Pendant quelques jours, les Parisiennes et les Parisiens, bon, sauf quelques-uns, mais vont un peu croire que, au fond, la Révolution est victorieuse, que Versailles va accepter cette sorte d'autonomie de Paris libre. Une assemblée élue, la Commune, elle va comporter 79 délégués mandatés, dont beaucoup sont les ouvriers. Il y a aussi des instituteurs, il y a aussi des artisans, des commerçants, il y a des journalistes, quelques artistes et écrivains, médecins aussi. C'est finalement une assemblée très populaire qui se met en place. Il est certain que l'assemblée de la Commune, les 80 élus qui siégeaient consciemment, elle est infiniment plus diverse socialement que aucune de nos assemblées. On n'a jamais eu une assemblée aussi populaire que pendant la Commune, parlons pas actuellement, où il y a presque plus de classe populaire dans notre Chambre des députés. Donc on a quelque chose aussi d'assez exceptionnel dans cette diversité populaire. Il ne faut pas exagérer non plus, la majorité de ces élus ne sont pas des ouvriers. Mais on a une diversité de toutes les classes populaires qui sont très fortement représentées à la Commune. On peut considérer que sur 2 millions de Parisiennes et Parisiens à cette époque, en 1871, il y a environ 500 000 ouvrières et ouvriers. Donc c'est vraiment une ville très populaire et de surcroît. Une bonne partie des Parisiens aisés ont quitté la capitale, soit au début de la guerre, pendant le siège, ou lorsqu'il y a eu justement les journées insurrectionnelles par peur des colères grondantes du peuple. Cette diversité sociale et cette force des classes populaires à l'intérieur de la Commune ne se retrouve pas entièrement lors des débats que j'ai étudiés très, très attentivement en comptant chaque intervention. Il est clair que les classes plus éduquées interviennent davantage que les classes populaires dans les délibérations de la Commune de Paris. Voilà, et c'est très net. On a
tout un processus où on voit tout le temps, constamment, la difficulté hein, pour surmonter les phénomènes de domination, pour arriver à cette égalité rêvée. Hein, voilà, c'est pas immédiat pour les ouvriers de parler autant que les classes qui ont été plus éduquées, qui ont été plus accoutumées au pouvoir. Donc on le sent souvent à plusieurs endroits dans le déroulement de la commune. Mais en tout cas, on a cette avancée d'avoir ces classes populaires nombreuses dans une assemblée. On a aussi une avancée significative avec la participation des étrangers, qui sont un autre segment, et on sait que la commune a accepté en son sein un élu étranger qui s'appelle Léo Frankel, et que ce Léo Frankel est même devenu ministre, il n'y a pas de ministre à la commune, mais c'est un peu l'équivalent, ministre du Travail, et qu'il a réalisé des choses très, très importantes avec sa commission. C'est dit d'ailleurs, c'est leur première décision, hein, c'est de valider l'élection de Léo Frankel, parce que les étrangers qui veulent servir la cité ont droit à être citoyens. Donc ça, c'est quelque chose, l'éligibilité des étrangers, qui est loin d'être acquise encore actuellement, mais qui reste un problème d'actualité. Il y a eu énormément de gens qui ont été mandatés par des électeurs dans leur quartier, dans leurs arrondissements, qui étaient connus d'eux, qui étaient souvent des militants de base dans toutes ces associations que connaissait le mouvement ouvrier et populaire à l'époque. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette assemblée de la commune est une assemblée très populaire. C'est une sorte de gouvernement ouvrier et populaire comme on n'a jamais connu dans l'histoire. Et ça, c'est déjà un signe de vitalité démocratique important. De surcroît, ces élus ne sont pas considérés comme juste des représentants qui pourraient faire ce qu'ils veulent. Non, ils sont mandatés. Voilà. Ils ont des mandataires qui leur confient une mission bien précise et ils doivent rendre des comptes. Malheureusement, il y a eu le siège toujours, il y a eu la guerre civile, il y a eu des bombardements sur Paris. Enfin, c'était vraiment une situation atroce pour préserver cette vitalité démocratique, mais il y a eu des assemblées de contrôle des mandats. Il y a eu des discussions, des assemblées qui ont parfois réuni des centaines et des centaines de personnes pour discuter de ce que faisaient les élus de la commune. Edmond de Goncourt, célèbre écrivain et, disons-le tout de suite, un écrivain réactionnaire, résolument hostile aux communards. Mais il a tenu un journal sur sa vie pendant la commune, et ce journal permet de saisir des moments de vie à Paris. Dans cet extrait, il nous raconte l'inauguration d'un club dans l'église Saint-Eustache, en face des Halles, à laquelle il s'est rendu par curiosité. Je pénètre ce soir à Saint-Eustache où a lieu l'ouverture d'un club. Au banc d'œuvre, entre deux lampes et un verre d'eau sucrée, quatre ou cinq silhouettes d'avocats. Dans les bas-côtés, debout sur les chaises, un public de curieux amené par la nouveauté du spectacle. Rien de profanatoire dans l'attitude des hommes, dont beaucoup portent en entrant, instinctivement, la main à leur casquette. Ce n'est point la profanation de la Notre-Dame en 93, ce ne sont point encore les harengs grillés sur les patènes, seulement une forte odeur d'ail monte sous les voûtes sacrées. La sonnette au tintement argentin de la messe annonce que la séance est ouverte. Monte à la tribune un membre de la commune, en costume de la garde nationale, qui parle avec bonhommement, carrément. Tout d'abord, il affiche son mépris pour les phrases ronflantes avec lesquelles on se fait une popularité facile, puis parlant des hommes de 93, que, selon son expression, on leur jetait sans cesse dans les jambes, il déclarait avec un certain orgueil que ces hommes n'avaient trouvé devant eux que l'action militaire, mais que s'ils avaient eu à résoudre les énormes et difficiles problèmes sociaux du temps présent, ces fameux hommes de 93 n'auraient peut-être pas été plus adroits que les hommes de 1871. Et là-dessus, un assez beau et assez brave « Qu'est-ce que ça me fait que nous soyons victorieux de Versailles si nous ne trouvons pas la solution du problème social, si l'ouvrier demeure dans les mêmes conditions ?» On dit autour de moi que l'orateur s'appelait Jacques Durand. Le 18 mars, deux généraux sont arrêtés dans ce quartier de Montmartre, ce qu'on appelle à l'époque la rue des Rosiers. Le premier, c'est le général Lecomte. Et ce général Lecomte, c'est lui qui était à la tête de l'opération pour récupérer les canons. Et c'est lui qui a ordonné de tirer sur la foule. Donc il est arrêté, et il est mis sous bonne garde. Le deuxième, c'est le général Clément Thomas. Alors lui, il n'est pas en fonction, il n'est d'ailleurs pas en uniforme. Il se baladait, entre guillemets, dans Paris, en réalité, pour observer ce qui était en train de se passer, parce qu'il y a des barricades qui s'érigent. Il est en habit bourgeois, comme on dit, et il est reconnu.
Et pourquoi est-il reconnu? Parce qu'on sait, on se souvient de lui. Clément Thomas, c'est l'un de ceux qui avait justement donné l'ordre de tirer sur la foule en février 1848. Donc tout ça est très sédimenté historiquement. Voilà, c'est le passé et le présent qui s'entremêlent. Donc Clément Thomas est aussi arrêté, mis sous bonne garde. Mais il y a une rébellion, et il y a notamment une rébellion des soldats de l'armée versaillaise qui disent « Mais eux, ils nous ont ordonné de tirer sur le peuple, ils nous ont ordonné de tirer notamment sur les enfants, et par ailleurs, si nous ne leur réservons pas un sort, c'est eux qui nous feront fusiller. » Donc ce ne sont pas les Parisiens qui vont décider du sort de Clément Thomas et de Lecomte, mais ce sont bel et bien leurs propres soldats. Et ça, d'ailleurs, j'ai pu... le valider par les sources, puisque j'ai eu accès au rapport d'autopsie, enfin, qui montre très bien que ce sont les balles des fusils des soldats versaillais qui ont été retrouvées dans les corps criblés donc, de Clément Thomas et Lecomte, qui ont été donc exécutés sans procès, sans tribunal de quoi que ce soit, hein, le 18 mars, dans la cohue, le chaos, le tumulte et l'esprit de revanche, notamment des soldats. Alors, appuyé bien sûr par une partie de la population parisienne qui est furieuse devant l'opération de Thiers. Mais ça va être absolument dramatique et il y a des gens qui vont jouer un rôle important plus tard dans la Commune de Paris, qui vont tenter d'empêcher cette exécution. J'en parle notamment à propos de Armand Lacroix, qui le paiera très cher, alors que c'est terrible, parce que Armand Lacroix, il a tenté de s'interposer pour empêcher que les deux soldats soient exécutés. Il est monté, y compris sur une marquise, là, voilà, pour essayer de haranguer la foule et de haranguer notamment les soldats, en leur disant, mais ne faites pas ça, ça sera considéré comme un assassinat, et puis il faut que ces hommes soient jugés, il faut qu'il y ait un tribunal, etc. Il n'a pas été entendu, il a été emporté d'ailleurs dans ce tourbillon, et les deux officiers ont été exécutés, et ça va aussi, c'est en grande partie un prétexte bien sûr pour les détracteurs et les ennemis de la Commune, mais ça va déclencher un véritable déversoir de haine à l'égard du Paris révolutionnaire. Regardez, ce sont des assassins, ce sont des bandits, ce sont des bêtes sauvages assoiffées de sang, comme en témoigne le sang de Lecomte et de Clément Thomas. Le 2 avril, la guerre civile commence entre Paris et Versailles. Le 2, 3, 4 avril, il va y avoir une guerre. Là, vraiment, une vraie bataille pendant deux jours. Puisque à la suite de l'attaque de Versailles, première attaque qui d'ailleurs est accompagnée déjà d'exécutions sommaires des prisonniers par les Versaillais, les Parisiens vont vouloir marcher cette fois-ci sur Versailles. Et là, c'est la première vraie bataille, et c'est là qu'on se rend compte que la garde nationale n'est pas en mesure de gagner une bataille rangée, comme on dit. Voilà. Hein. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ne savent pas manœuvrer en rase campagne. La guerre des villes, des rues, oui, mais la guerre en rase campagne, ça suppose de savoir manœuvrer, de savoir déployer des tirailleurs, voilà, ce qu'ils ne savent pas du tout, et en plus, ils ne savent absolument pas utiliser, ce qui est de plus en plus important, l'artillerie de campagne, qui est essentielle dans une bataille comme ça, ouverte de guerre. Ils n'ont pas même pas amené leur artillerie les 3 et 4 avril. Puis il y a d'autres phénomènes secondaires qui jouent dans cet échec qui fait que eux-mêmes vont maintenant se replier dans la ville et dans les fortifications qui l'entourent, c'est-à-dire l'enceinte des forts qu'ils tiennent, le fort d'Issy, le fort de Montrouge, le fort d'Ivry, etc. Et puis les villes qui sont proches de Paris et la barrière de la Seine entre Neuilly et Asnières de l'autre côté. Donc, voilà, il se replie, et ce qui va maintenant devenir la guerre, c'est une guerre de siège. Voilà. Il devient une guerre de siège. Particulière parce que le nord et l'est de la ville, il y a encore les Prussiens. Donc la guerre ne se fait que au sud et à l'ouest de Paris. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'eau. Nous allons vous
lire un extrait où Jean Alman raconte la journée du 2 avril où il a posé avec ses camarades un drapeau rouge sur la croix du Panthéon qui n'était alors plus une croix parce qu'on avait enlevé la barre horizontale pour en faire un simple drapeau. Jean Alman était un ouvrier typographe qui a eu des responsabilités importantes pendant la commune, dans le 5e arrondissement où il habitait. Jean Alman connaît bien ce quartier. Il a participé aux journées insurrectionnelles du 18 mars en défendant le Panthéon contre les armées qui étaient rassemblées dans le palais du Luxembourg. Il raconte donc la journée du 2 avril. La manifestation fut vraiment grandiose et les cléricaux en conçurent contre moi une de ces haines que l'espace et le temps sont impuissants à faire disparaître. Lorsque la rouge oriflamme se déroulant orgueilleusement claqua au vent, une formidable acclamation s'éleva de la place et des rues entourant le Panthéon, pendant que le canon tonnait et que la petite armée révolutionnaire défilait aux accents du chant du départ, où se mêlaient les cris de « Vive la République, vive la Commune ». Les priorités, tout de suite immédiates, c'est déjà de subvenir aux besoins de cette population qui a été affamée. C'est faire fonctionner des services publics, faire fonctionner des solidarités populaires qui préexistent à l'événement révolutionnaire, mais qui vont être encouragées par des aides, notamment à ces coopératives, à ces mutuelles, à ces cantines populaires comme les marmites. Donc on va tout de suite les aider. On va organiser le ravitaillement, faire des distributions gratuites, solidaires. Et pour ça, d'ailleurs, il y a des commerçants qui vont aider ce déploiement d'une stratégie immédiate pour lutter contre la pauvreté. Il y a des commerçants qui vont organiser des collectes, des redistributions, voilà, du partage de nourriture, de vivres, de denrées alimentaires. C'est quand même la priorité, faire fonctionner ces services publics. Il va y avoir très rapidement des commissions thématiques qui vont se mettre en place, et notamment une commission sur le travail, à la tête de laquelle va se trouver Léo Frankel, ouvrier internationaliste hongrois. Et Frankel va travailler en étroite coopération avec les associations qui sont des coopératives de travail. L'idée, c'est qu'il y ait une auto-organisation populaire du travail, que ce soit les hommes ou les femmes, et les femmes jouent un grand rôle dans cette auto-organisation du travail. Et ça, c'est démocratique. Ça, c'est quand même aussi la question de la démocratie, parce que c'est la question de la démocratie sociale et économique. Pour les gens de la commune, il ne peut pas y avoir de démocratie seulement institutionnelle, civique, politique. La démocratie, c'est aussi la question de l'égalité sur le plan des conditions sociales et économiques, donc sur le plan du travail. Parce que si on perpétue les richesses versus la pauvreté, si on perpétue les inégalités, si on perpétue l'injustice sociale, alors des institutions peuvent toujours être démocratiques, mais l'émancipation n'aura pas lieu. Donc pour eux, la démocratie, c'est une démocratie émancipatrice qui passe aussi par une libération du travail par rapport au capital. Donc il va y avoir parmi les grandes mesures de la commune, d'ailleurs, une réquisition de fabriques ou d'ateliers qui ont été abandonnés par leurs propriétaires qui ont fui Paris. Et l'idée, nous on appellerait ça des pratiques autogestionnaires, mais le mot n'existait pas, mais c'est vraiment que les travailleuses et travailleurs de ces ateliers et fabriques reprennent en main la production. Et de ce point de vue, l'Union des femmes joue un rôle tout à fait majeur pour faire vivre ces chambres syndicales, ces coopératives, etc. Donc un travail organisé sur une base d'autonomie de la production par rapport au capital, sur une base aussi de décision sur les modalités de la production, sur les modalités aussi de la rémunération. Il y a beaucoup d'organisations et il y en a une qui mérite qu'on en parle, c'est l'Union des femmes. Donc, le nom est un peu plus long, mais je l'abrège. Cette Union des femmes est probablement la plus importante organisation parisienne. Donc, c'est déjà un fait très intéressant de voir que pendant la Commune, l'organisation la plus vivante et la plus active est celle des femmes. L'organisation la plus importante, à mon sens, de la Commune, en tant qu'organisation, il y a l'international, mais l'international joue un rôle probablement moins important que l'Union des femmes. Cette Union des femmes, elle est organisée par essentiellement deux personnes,
Elisabeth Dmitriev, une jeune intellectuelle de l'intelligentsia russe, toute jeune, et Nathalie Lemel, déjà une syndicaliste ouvrière relieuse. Ces femmes vont organiser dans tous les arrondissements une association qui est très complexe dans son organisation, donc je ne le développerai pas, mais qui est puissante et qui va prendre un pouvoir municipal. C'est-à-dire que, de fait, elles vont tenir des bureaux dans les mairies d'arrondissement, donc dans tous les mairies d'arrondissement, on va donner des bureaux à cette union des femmes avec la charge d'organiser le travail des femmes, la préparation éventuelle de femmes au combat, de bataillons de femmes, et les soins. Plus classiquement, les soins aux blessés commencent à... Le phénomène de l'infirmière commence à se développer au XIXe siècle, et donc l'organisation des soins aux blessés, etc. Donc elles vont disposer pour la première fois vraiment d'un sorte de pouvoir officiel de gestion à l'intérieur des mairies. Et le premier de ces points, le travail, ça va dépasser cette organisation pour vraiment être à l'origine de toute une série de conceptions. C'est vraiment l'Union des femmes qui a fait le premier plan parce que la commune, c'est une période de misère terrible. Le travail n'est pas revenu en février-mars, à peine. De nouveau, il y a un siège, Paris de nouveau quasiment enfermé, moins dramatiquement que pendant le premier siège par les Prussiens, mais quand même très largement enfermé. Donc de nouveau, il n'y a pas plus de travail, à part effectivement faire les habits pour les gardes nationaux, faire des munitions, il y a peu de travail. Donc il y a une grande misère. J'ai trouvé des centaines de lettres de femmes demandant des secours pour vivre. Voilà la question de vivre du jour au jour qui est posée par la commune. On écrit des lettres suppliantes à Benoît Malon dans les archives du 17e arrondissement, où il est un peu le maire communard, en le suppliant, donnez-moi un secours, donnez-moi des bons de pain, donnez-moi des chaussures pour mes enfants qui vont pieds nus. C'est ça la commune. L'Union des travailleuses du 13e arrondissement fait partie de l'Union des femmes dans une lettre conservée aux archives de Paris, envoyée à Léo Frankel, le délégué au travail, à l'industrie et à l'échange de la commune. Elle lui demande de l'aide face à l'immobilisme de l'administration qui ne les prend pas au sérieux. Léo Frankel, qui sera d'ailleurs quelques semaines plus tard sauvé sur une barricade par Elisabeth Dmitriev, la co-créatrice de l'Union des femmes. Au citoyen, Léon Frankel, membre de la commune, délégué au département du travail et de l'échange. Citoyen. Espérant que vous comprendrez qu'il est de notre dignité de citoyenne libre de protester contre les fins de non-recevoir que l'administration du 13e arrondissement ne cesse de nous octroyer. Que, étant reconnus par la commission du travail et de l'échange, nous n'en sommes pas moins empêchés de nous rendre utiles au salut public et à nos sœurs les travailleuses par la municipalité qui, trop absorbée sans doute par la question politique, ne voit pas qu'elle n'est guère qu'une conséquence de l'économie sociale et qu'elle ne sera pure que lorsque le problème de la misère sera résolu. Les travailleurs égaux rendus tous frères par l'échange de produits de peuple à peuple sans intermédiaire. C'est pourquoi les sous-signés membres du comité de l'Union des travailleuses du 13e arrondissement ont résolu de vous prier d'être l'arbitre de leurs différends avec l'administration et, si vous le jugez à propos, de donner leur démission collective et motivée au comité central de l'Union. Il nous resterait alors, citoyens, l'immense regret de ne pouvoir plus travailler sous la haute direction de vos généreuses inspirations à l'affranchissement des travailleurs, à la régénération des citoyennes, car pour nous, la question du progrès ou de l'immobilisme de notre sexe est attachée à votre concours. En attendant votre décision à notre sujet, recevez, citoyens, nos saluts fraternels. La déléguée aux écritures, Octavie Gardef, avenue d'Italie, 18. Nathalie Lemel ou Elisabeth Dmitriev sont des femmes pour qui la démocratie, c'est le fait de pouvoir s'émanciper, justement par une égalité, notamment une égalité dans les conditions de travail. Alors, elles doivent se battre pour ça, parce que tous les hommes de la commune ne sont pas forcément convaincus par cette idée d'égalité. Elles sont confrontées à un problème d'un côté de secours et de l'autre de trouver du travail. Et elles vont avancer l'idée et donner des premiers plans d'organisation d'un travail en atelier coopératif. Voilà. Elles vont fournir
à Frankel les premiers éléments d'une orientation pour que ces femmes puissent s'organiser elles-mêmes dans des formes d'ateliers qu'elles dirigeraient elles-mêmes et qui travailleraient en coordination avec la commune pour toute une série de commandes, d'habits ou éventuellement de munitions. Et elles ont développé un plan très intéressant qui va être repris et développé par Frankel dans son fameux décret d'avril 1871 sur la réquisition des ateliers abandonnés. Donc voilà, tout ça fait qu'on a une participation féminine qui est quand même d'un niveau d'activité féminine qui est tout à fait remarquable. Il faut vraiment attendre très, très, très longtemps hein, pour retrouver un mouvement féminin d'une telle ampleur. Elisabeth Dmitriev est la fille illégitime d'un aristocrate russe et d'une infirmière, militante et intellectuelle socialiste internationaliste active à Genève et à Londres. Proche de Karl Marx et de sa fille Jenny, militante socialiste elle aussi, elle est envoyée par l'Internationale à Paris, qu'elle crée avec la militante syndicaliste Nathalie Lemel l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Dans cette lettre, adressée à un correspondant londonien, on voit en même temps la lourdeur de la tâche qui lui incombe et son enthousiasme au vu des premiers succès de l'Union des femmes. « Cher monsieur, je suis très malade. J'ai une bronchite et la fièvre. Je travaille beaucoup. Nous soulevons toutes les femmes de Paris. Je fais des réunions publiques, nous avons institué dans tous les arrondissements des comités de femmes, dans les mairies même, et en outre un comité central. Le tout pour organiser l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. » Nous nous mettons en rapport avec le gouvernement. Je crois que l'affaire marchera. Mais que de temps perdu et quelle peine cela m'a donné. Il faut que je parle tous les soirs, que j'écrive beaucoup, et ma maladie s'empire. Si la commune triomphe, notre organisation du politique deviendra sociale. Nous formerons des sections internationales. L'idée prend très bien. En général, la propagande internationale que j'ai fait pour démontrer comme quoi tous les pays ainsi que l'Allemagne sont tous à la veille de leur révolution sociale, cette propagande-là est fort goûtée des femmes. Nous avons jusqu'à 3 ou 4 000 femmes à ces réunions. Le malheur, c'est que je suis malade et qu'il n'y a personne pour me remplacer. Je ne peux en dire trop de crainte que les beaux yeux de Monsieur Thiers ne viennent inspecter ces lignes. Car c'est encore une question si le porteur de ces lignes, un rédacteur suisse à Bâle qui m'a apporté des nouvelles, parviendra sain et sauf à Londres. Je suis sans argent. Si vous avez reçu le mien, tâchez de me l'envoyer avec quelqu'un, mais non par la poste. Cela n'arriverait pas. Comment allez-vous? Je pense à vous quand j'en ai le temps, ce qui arrive rarement, du reste. Je vous serre la main à vous, à votre famille et aux Marx. Que fait Jenny? Si la position de Paris n'était aussi critique qu'elle l'est, j'aurais bien aimé que Jenny soit ici. Il y a tant à faire. Lise. La façon la plus forte, la plus significative de cette démocratie communale, c'est la participation du peuple à des assemblées populaires avec un niveau de mobilisation qui est étonnant. C'est vrai que pendant les 2 mois de la commune, on voit dans les quartiers de Paris, souvent dans les églises, mais pas que, et des assemblées de plusieurs milliers de personnes, souvent aussi des femmes, souvent elles sont majoritaires dans ces assemblées, et elles y parlent, et des assemblées qui vont débattre, comme ils disent, de nos affaires. Alors ils vont débattre de nos affaires, ça peut être un peu comme dans un conseil de quartier actuel, ça peut être effectivement telle et telle question tout à fait locale. Mais pas seulement, ils discutent de la politique générale de la commune. Et parfois, effectivement, ils vont conduire leurs élus à changer leur attitude. Le compte-rendu que vous allez entendre a été trouvé aux archives du ministère de la Défense et de la Guerre. C'est le compte-rendu d'une réunion d'un club communard dans une église dans le 11e arrondissement. Le nombre de ces communards étaient en fait des gardes nationaux. Réunion du club Ambroise du 13 mai 1871. Le citoyen Bagache accuse les galons du 140e, mais non les hommes. Le citoyen porte acte d'accusation contre le commandant Sylvestre. Le citoyen demande que l'on vote pour que tous les chefs du 140e soient révoqués. La majorité est votée à l'unanimité. Ces assemblées populaires et ces clubs, ça nous étonne toujours, parce que, bien sûr,
On se demande si les choses auraient pu continuer. Beaucoup d'entre eux se réunissent tous les soirs. Vous imaginez les milliers de personnes qui vont se réunir tous les soirs. La commune, c'est aussi une assemblée élue. Le 26 mars, par une élection tout à fait classique dans chacun des arrondissements de Paris. Donc, il y a bien une démocratie représentative, mais cette démocratie représentative n'est pas suffisante pour la démocratie aux yeux des communards. Pour eux, les élus vont être constamment donc responsables et révocables par le peuple. Ils vont essayer constamment de trouver des formules pour que ces élus de la commune, les noms les plus connus bien sûr, ces élus restent à l'écoute du peuple, tiennent compte du peuple, agissent comme le peuple souhaite. Citoyen Languetin demande que l'on monte la guillotine comme en 93 pour tous les traîtres. Citoyen Israël se plaint de l'état-major étant ici. Le commandant Buffenoir envoie le citoyen demander le mot d'ordre et trouve l'état-major à table pendant que l'on se battait à Issy. Citoyenne Sihour se plaint des délégués de ne pas être venus l'avertir de la mort de son mari. Il lui a donc été impossible d'aller le reconnaître. La citoyenne est passée à la place de la bourse. Elle a demandé un renseignement à un citoyen. Il lui a été répondu qu'il n'y avait pas dans ce quartier des citoyens, mais bien des messieurs et des dames. La citoyenne demande que l'on mette des canons sur cette place pour faire taire tous les réactionnaires. Le 4 mai, un artilleur était arrêté par un séminariste qui lui faisait baiser le crucifix pendant qu'on lui perçait de 40 balles. La citoyenne se plaint qu'on a fait une quête à l'enterrement de son mari et qu'elle n'en a pas reçu de nouvelles. Si on a souvent coutume de parler des hommes et des femmes de la commune comme des communards, en fait, eux, ils ne s'appelleront pas du tout comme ça. Ils s'auto-désigneront jamais comme des communards. Éventuellement des communeux, parfois des communalistes, mais souvent, ils et elles reprennent le terme de fédérés, qui, à l'origine, vient de cette structuration démocratique de la garde nationale. Les femmes en jouent un rôle majeur, mais elles ne demandent pas le droit de vote. Moi, je n'ai trouvé en tout cas aucune revendication de femmes en ce sens, de demander un suffrage qui soit véritablement universel. Parce que là, il n'est que masculin. Et donc, les élections, par exemple, ont eu lieu uniquement par un suffrage masculin. Mais ce n'est pas leur revendication. Parce que pour elles, la démocratie, elle ne se situe pas dans le fait de déposer un bulletin de vote dans une urne, mais elle se joue dans les clubs, elle se joue dans les associations, dans les coopératives, dans les structures de quartier. Et elles sont vraiment très organisées au travers notamment de l'Union des femmes, mais pas seulement. Une des mesures égalitaires que prend la commune, c'est un salaire égal pour les institutrices et les instituteurs. Donc ça, c'est vraiment du ressort direct de la commune. Certains sont réticents, la mentalité de l'époque. Hein. Certains hommes sont réticents à l'idée que les femmes puissent travailler à l'égal des hommes, certains hommes sont réticents aussi à l'égard de l'idée de l'égalité des salaires, mais certains défendent très fermement cette idée d'égalité. C'est le cas de Jules Vallès, c'est le cas notamment d'Eugène Varlin et de beaucoup de militants de l'International, donc de l'Association internationale des travailleurs. Mais Louise Michel n'est pas du tout représentative de la communarde. Il y en a quelques-unes qui sont institutrices. La communarde, c'est une couturière, c'est une blanchisseuse, c'est une teinturière, c'est une relieuse, c'est une domestique. La commune, c'est une insurrection populaire. C'est ces femmes-là qui n'ont rien à perdre, même encore moins à perdre que les hommes. Donc elles vont être très présentes, très actives, et souvent elles sont parmi celles qui poussent la commune le plus loin. La plupart des clubs et des assemblées populaires, mais pas toujours, hein, pas toutes, on les montrait dans mon livre en les étudiant toutes, les femmes y sont très présentes, d'ailleurs on les voit souvent nombreuses dans les dessins, mais je me méfie souvent des dessins parce que ils peuvent accentuer des réalités. Mais c'est vrai qu'on a vraiment des assemblées avec souvent les femmes, pas aussi souvent, on a beaucoup de compte rendu de ces clubs, on voit que les femmes parlent, peut-être un peu moins que les hommes, mais en tout cas elles y parlent,
Et ce qui est intéressant, c'est que ces femmes qui vont parler dans ces assemblées populaires, ce sont vraiment des femmes du peuple. Donc la démocratie communale va leur donner cette place, cette forme d'expression. Citoyen Bagache donne lecture d'une lettre pour les employés des fourneaux. La citoyenne se plaint qu'on leur a diminué 25e sur 1,75 francs pour donner 2 centimes aux pointeuses qui ont beaucoup moins de mal et qui ne commencent leur journée qu'à 9h. Le citoyen demande que l'on nomme 3 citoyens et 3 citoyennes pour aller au renseignement. Le citoyen Dufour, Serrault et Le Sueur sont nommés à la majorité. Les citoyennes Schumaguet, André et Tilliou sont nommées à l'unanimité. Il faut citer une personnalité, une femme, qui a joué un rôle très important sous la Commune, c'est André Léo, une journaliste, qui est une écrivaine, et qui va vraiment mettre toutes ses forces dans la bataille pour la démocratie, pour la justice, pour les femmes aussi. Et elle, d'ailleurs, elle rédige une lettre qui ne sera pas signée d'elle, hein, parce que c'est toujours très collectif, hein, et c'est une lettre à nos frères, les frères de province, et notamment la paysannerie, et qui commence par « Frères, on vous trompe ». On vous trompe quand on vous raconte dans les médias, dans les journaux, là, que la commune serait un ramassis de bandits. Une grande partie de la presse de province est tenue par des élites, des notables, très opposés à la commune, hein, quand même se rappeler de ce que les écrivains parmi les plus importants de notre panthéon national littéraire disent sur la commune. Hein, ce sont, alors que ce soit Georges Sand, que ce soit Théophile Gautier, que ce soit la comtesse de Ségur, que ce soit Flaubert lui-même, Maxime Ducamp, bien sûr, ils sont tous dans une détestation de la commune. Alors, à de rares exceptions près, hein, notamment Victor Hugo, qui lui est beaucoup plus respectueux de cette insurrection populaire et qui le paiera cher d'ailleurs, parce qu'il va devoir à nouveau s'exiler et à Bruxelles, il accueillera des gens de la commune. Il existe et il est assez puissant à Paris, un parti républicain, qu'on pourrait appeler conciliateur, qui au fond est opposé à Versailles, mais ne veut pas engager de révolution. C'est le parti de Victor Hugo, qui est bien représentatif d'une grande partie des Français. On déteste Versailles, on n'aime pas Thiers, mais une insurrection, alors que les Prussiens sont encore en France, qui va nous diviser devant l'ennemi, même si la guerre est finie, ce n'est pas envisageable. Donc il y a un parti qui essaye de concilier, qui est assez puissant en province. Victor Hugo n'a pas pleinement soutenu la Commune, il regardait ça avec distance, mais en tout cas, il n'a pas écrasé de son dédain, de son mépris, les hommes et les femmes de la commune, comme l'ont fait les gens que j'ai cités et qui avaient des mots terribles. Hein. Par exemple, Théophile Gautier qui disait que c'était des animaux sauvages, quoi. C'était qui sortaient de leur cage comme des animaux dans les eaux. Georges Sand parlait des scélérats, de la folie, des saturnats, etc. Il y a tout un vocabulaire de la contagion, etc. Donc, en fait, l'enjeu de la presse, il est d'autant plus essentiel à Paris et dans les villes qui vont tenter d'établir des communes que il y a vraiment un déversoir médiatique pour dire que les gens de la commune sont des sauvages, des brutes, des gredins, des vauriens, de la canaille assoiffée de sang, avec des mensonges, avec des déformations, par exemple sur l'épisode du 18 mars et la mort des fameux deux généraux, là, Lecomte et Clément Thomas. La presse, c'est évidemment un grand enjeu pour la démocratie. Et en particulier, comme à chaque moment révolutionnaire et au XIXe siècle, on avait déjà eu cette configuration, il y a une ébullition de la presse populaire par le biais aussi des clubs hein, où la presse est diffusée, mais voilà, il y a plein de journaux populaires. Donc on retient souvent le cri du peuple, bien sûr, qui avait été interdit par Thiers, et qui est à nouveau bien évidemment autorisé, mais il y a beaucoup, beaucoup de journaux populaires, donc républicains, socialistes, voilà, qui visent à déployer les idéaux de la justice et de l'égalité et d'un certain universalisme. Donc, presse diffusée des centaines de milliers d'exemplaires. Il y a des journaux proudhoniens, il y a des journaux très socialistes, il y a des journaux comme le mot d'ordre de Rochefort qui sont surtout républicains, qui viennent de la commune, mais
surtout du point de vue de la République. Donc c'est une presse très, très diverse, très riche en informations que j'ai beaucoup utilisées parce que jusqu'à présent, aucun chercheur n'avait dépouillé l'intégralité de cette presse, ce que j'ai pu faire dans mon travail. Donc il y a une presse extrêmement riche et cette presse est un vecteur de l'espace public. Et on a des tableaux où on voit la lecture du Père Duchesne par des gardes nationaux. Donc, c'est lui qui lit le Père Duchesne, les autres écoutent le Père Duchesne qui est un des deux ou trois grands journaux de la commune. Il faut aussi communiquer avec la province, parce qu'avec le siège, toutes les communications sont coupées. Et évidemment, la presse de province commence déjà à déverser son fiel contre les révolutionnaires parisiens. Or, l'objectif, c'est de ne pas être coupé du reste de la France, quoi. C'est de faire des élections communales autonomes, mais d'être lié à la province. C'est d'abord d'expliquer aux frères de province, qu'ils soient ouvriers ou paysans, ce qui est en train de se réaliser. Donc, comme Gambetta l'avait fait en 1870 pendant la guerre et pendant le début du siège, la commune essaie de mobiliser des montgolfières. Des ballons, en fait, pour quitter Paris et donner des informations à la province. Bon, c'est extrêmement difficile à faire. Et là, on peut compter sur le soutien de quelqu'un qui est assez formidable, à la fois comme artiste, dessinateur, photographe. C'est Nadar. Et Nadar est de tout cœur avec cette entreprise révolutionnaire. Et il est passionné d'aérostations, de montgolfières. Et donc, il offre à Paris des ballons pour communiquer avec la province. La France est un pays à 80%. Rural. Les référendums, les plébiscites impériaux donnaient régulièrement une large majorité de oui au petit Napoléon, comme l'avait surnommé Victor Hugo, Napoléon le Petit. Cette France rurale, elle était favorable à l'empereur, pour différentes raisons. Pas nécessairement monarchiste, mais favorable à l'empereur. Tout le nord de la France reste occupé par les Prussiens. Tout le tiers nord de la France ne peut pas bouger. C'est la tutelle de l'armée allemande, et donc on ne peut pas bouger. Le premier enjeu, par certains côtés de la commune, c'est que c'est un mouvement pour la République. Donc, ils trouvent assez naturellement un soutien dans les grandes villes qui sont républicaines, qu'il avait déjà été pendant l'Empire. Hein. Et donc, il y a un soutien assez naturel de la visée républicaine de la commune, de Paris, dans les grandes villes. Et on voit d'ailleurs des mouvements qui ont eu lieu assez importants dans un certain nombre de grandes villes. Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Narbonne également, par exemple, Le Creusot, Alger, dans la ville de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, donc c'est une sous-préfecture du Puy-de-Dôme, c'est le bastion de la Coutellerie, il y a aussi une tentative de commune. Je souris parce qu'il y a une sorte de pied de nez fait à Adolphe Thiers, mais en fait, voilà, il ne dure pas, parce qu'il y a une répression féroce, il y a des morts, donc voilà. Ce sont des expériences qui sont très brèves, voilà, des lithographies de l'époque, qui montrent justement ces solidarités entre les villes, et ce projet d'une république qui soit véritablement sociale, les grandes républiques sociales et universelles dont on parle beaucoup, sur un modèle fédératif. Il n'y a pas un parti national pour fédérer tout ça. Les spécificités régionales sont des différences de timing. Hein, les insurrections, il n'y a pas... Ça viendra aussi après dans les conclusions que certains tireront. Il y a également une partie des campagnes ou des très petites villes qui sont dans des régions de tradition républicaine où on voit aussi un soutien à la Commune de Paris. Donc, la Commune de Paris n'était pas absolument seule, mais les soutiens ont été très vite circonscrits par Versailles du fait de ces différenciations de chronologie. D'autant que la grande partie de la presse de province est très hostile à la Commune, et ça c'est grave pour la Commune elle-même, parce que ça l'empêche de diffuser ses idéaux, de se faire entendre, de se faire comprendre. Et alors, justement, André Léo va être au cœur d'un débat que va se poser la Commune sur la presse versaillaise à l'intérieur de Paris. Parce que dans tout ça, il y a aussi des journaux qui sont très hostiles à la Commune, qui se montrent les ennemis de la Commune, qui peuvent être dangereux en fait pour la Commune. Qui peuvent être dangereux parce qu'ils livrent des informations pratiques, tactiques, stratégiques, militaires, qui sont des informations qui peuvent être utiles à Thiers, au pouvoir de Versailles, à l'armée versaillaise, pour réprimer la Commune. Donc il y a un vrai débat
qui est un débat en effet démocratique et qui est très déchirant. Parce que d'un côté, la commune a cette volonté de liberté de la presse, de liberté d'opinion, d'expression. Et on le voit beaucoup avec les clubs. Et puis, le problème de la liberté de la presse, parce que donc, d'un côté, il y a celles et ceux comme André Léo qui vont dire « On ne peut pas censurer les journaux, même les journaux de nos propres ennemis, parce que ça signifierait qu'on fait comme eux, au fond. » Thiers avait interdit et censuré et réprimé des journaux populaires à partir de février 1871. Ils avaient vécu la censure sous le Second Empire. Vallès avait vu ses journaux, La Rue, par exemple, qui avait été interdit. Il avait vu Le Cri du Peuple interdit par Versailles avant le 18 mars. Si la Commune fait la même chose, eh bien, aux yeux d'André Léo, elle se mettra sur le même plan que ses ennemis. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens, disons, plus pragmatiques, qui sont d'accord avec ce principe, en tant que principe, mais dans ce contexte de violence, de guerre civile, de bombardement de Paris, de combat entre les troupes fédérées et l'armée versaillaise, où la commune est sans cesse en danger, il y a des gens de la commune, à leurs yeux, on ne peut pas se permettre d'avoir des journaux qui livrent des informations extrêmement, non seulement compromettantes, mais qui mettent en danger directement la survie de la commune en tant que révolution et la survie des gens, concrètement, qui mènent cette révolution. Et donc, il y aura une censure de certains journaux, contrairement à l'avis, par exemple, d'André Léon. À propos des libertés, on va avoir évidemment des limitations qui vont se faire parce qu'on craint l'espionnage, on craint les agents de Versailles. Il y en a bien quelques-uns, mais parfois on exagère le nombre. On craint les agents de Versailles, on craint la propagande versaillaise. Donc, plus la tension s'exacerbe, plus le climat est difficile, plus il va y avoir des mesures liberticides, on ne peut pas appeler ça autrement, en particulier concernant la presse. Donc, on voit que régulièrement, des journaux plutôt favorables à Versailles sont supprimés par la Commune. La Commune, comme institution, va effectivement arrêter ce qu'elle considère comme dangereux pour la Commune, interdire certains journaux, une trentaine en tout, ce qui est quand même pas négligeable, donc ce qui était contraire à leur idée même de liberté. Et ils sont amenés à faire ce genre de mesures par les circonstances. Donc, ce n'est pas un moment si facile pour exercer la démocratie pleine et entière au moment où les libertés ne sont pas complètes, même si, fondamentalement, ils restent attachés à cette liberté. Ils ont tout un ensemble d'idées morales. Je ne suis pas d'accord avec les thèses d'un historien comme Robert Toms qui voit dans la Commune surtout un phénomène de circonstances. Le siège, les difficultés économiques immédiates, etc., et qui ne prend pas assez en compte tout cet outillage mental qui est présent, finalement, dans une grande partie de ce peuple, de la République à la démocratie, de la morale à la fraternité. La liberté, mais ils sont bien conscients qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté. Font la trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité, pour eux, elle est centrale. Ils ont la liberté au cœur. Et là, on verra que, évidemment, les circonstances révolutionnaires vont rendre cet amour de la liberté qu'ils ont beaucoup plus difficile à réaliser pendant une période de révolution et de tension, voire même de guerre civile. Ils ont aussi une idée très forte de l'égalité. Et ils ont une certaine conscience que la liberté pourrait n'être que formelle, et que la liberté ne suffit pas. Ils ont quand même eu des influences des sociétés, pas trop de Marx, hein. Les communards et les communards ne connaissent pas Marx, hein. Très peu, quelques-uns, mais très très peu, pas parler d'une influence marxiste directe. Indirecte, oui, mais par contre ils ont été influencés, pour certains d'entre eux, d'un côté par Proudhon, mais aussi par les socialistes qu'on disait à un moment utopistes, pré-marxistes, c'était quand même un peu les minorets, s'il y avait eu des socialistes pas très forts, donc
Fourier, Cabet et bien d'autres, Saint-Simon. Et ils avaient été très influencés par le sentiment que ces socialistes avaient développé, que la liberté ne suffisait pas. Une très belle phrase de Fourier qui disait « Phébus est bien libre d'aller à l'opéra, mais il lui manque un écu pour y entrer. » Voilà, vous êtes libre, mais si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas vraiment libre de rentrer dans l'opéra. Donc, ils ont pris conscience que la liberté, seulement la liberté, c'est pas vraiment la liberté pour tout le monde. Donc, ils ont une certaine conscience que la liberté ne peut pas se dissocier de l'égalité. Ils sont extrêmement attachés à ce concept d'égalité, de justice sociale aussi. La Commune s'est heurtée beaucoup à des questions de comment établir la démocratie qu'il rêvait, parce que s'attaquer à des systèmes de domination ancestraux, hommes, femmes, élites, peuples, c'est extrêmement complexe. On le ressent tout le temps, la remise en cause des dominations, c'est pour eux ce qu'il y a de plus difficile avec les circonstances économiques et guerrières. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont ouvert un champ de possibles qui revient maintenant pleinement, je ne vais pas dire d'actualité, mais qui résonne vraiment avec tout ce qui se passe dans la société française. Dans la vieille cité française existe une race de frères dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un colis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui sans souffler rime rêveur, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons, quand sonne sa 20e...